ça va piquer un tout petit peu. Ça va piquer un tout petit peu. Alors du coup, par contre, on est obligé de raser la tête parce qu'il y a des brûlures au niveau du crâne. Ça piquante là. Oui, mais justement. Monsieur, vous prenez pour un l'homme aux cheveux de feu. Je suis obligé de les raser pour voir effectivement si c'est. Tiens-le. Encore deux à droite, encore. On vous dépose. Bonjour, ouais. Ouais, bien sûr. Vas-y, monte dans le coffre, on te dépose. Vas-y. Éteins ton téléphone. Oui, je suis tout bon. On va pas te faire de mal, Roya, t'inquiète. C'est bon, on va rien te faire, t'es juste otage. Tu t'appelles comment, Roya? Moi, je suis Esmeraldo Rodrigo. Hein? Esmeraldo Rodrigo. Tu viens d'où, Roya? La Lituanie? Du Portugal. Oh, j'adore les Portugais, Roya. Quoi? J'adore les Portugais. Je viens de Lisbonne. Ah ouais, tu manges du porc? Oui. Ah ouais. Pourquoi? Parce que Roya, les Portugais, ils mangent du porc même le matin, frère, c'est un truc de ouf, frère. Mais c'est cliché, Roya, peut-être pas lui. Non, si, je te jure. Eh, tu manges du porc même le matin? Ça m'arrive sur les tartines, je fais des lardons. T'as vu, frère, t'as vu? Asbah, frère, t'imagines? Eh, t'aimes bien le café. Comment s'appelle ton café, Roya, que tu prends? Café l'été, le café Dolce latte. Tu bois du Dolce latte? Les mecs diraient café latte vanille plutôt. Ah, t'es un bon. Oui, vas-y, Roya. Ouais, ok. Eh, t'as une meuf? Non, j'ai pas de copine. Mais tu fais quoi dans la vie, Roya? Bah, je cherche une meuf. Oh, comme Tobias, c'est un ami à moi. T'as pas de numéro de meuf dans ton répertoire? Si. Bah alors, vas-y, appelle-en une. On va voir comment tu te débrouilles. Là maintenant? Bah oui, là maintenant. Alors, rallume ton téléphone, Roya. T'es bonhomme, d'accord? T'es bonhomme. Viril. Comment on dit viril en portugais? Je sais pas. Cristiano, sois Cristiano. Tu vois Cristiano quand il la posture qu'il a avant de tirer un coup franc? Faut que tu sois pareil. Les mecs, on a un otage avec nous, c'est un portugais, il va gérer une meuf au téléphone. Grand moment ontologique, les gars. Ça va ou quoi, les mecs? Ouais, tu peux déposer ton micro, Roya, t'inquiète. Ouais, tranquille. J'avais le droit de vous interviewer. Ah, jure? Bah, vas-y, reprends. Weasel. Pour le Weasel, les gars, interview pour le Weasel. Weasel. Viens devant la banque, viens. Donc, je vous pose la question à vous aussi, monsieur. What do you doing for a living? Astaghfirullah. Qui c'est, moi? Yes, you. In English, please. Yes, what do you do for a living? Je fais le living pour le living les baracas. Alors oui, je fais les baracas because like my children is very Brian is in the kitchen. Right. Brian is in the bag. Sors-lui un umbrella. You have too much, miss. Dis-lui, perhaps. Yes, perhaps, yeah, maybe. Yeah, perhaps like umbrella. My chicken is very heat. I'm not a rubber. Vas-y, deuxième question, du coup, je suis chaud, moi. For you, what are you doing for living? To have a nice. Yes, you know, in my living room, you have daddy to sit down, like in the back. What is that? You don't know what the fuck is a fucking daddy, man? Excuse me, no, Mister. A fucking daddy is a big canapé, you know. When you have big face in the Maghreb, cat glass out the haram in a fuck daddy, you know that? You know that, bro? The fucking daddy. It's a fucking couch. But what the ham is too much, Mister? No, you know the ham is like Habibi, you know, my friend. Le ha en anglais. What did you say? Can you repeat, please? Why you resembling to the vache? Give me the time. Vache? Yes, because I'm la vachette. You know. Because she likes the halib. No. Something to emoji. Emoji of psychopathe. Emoji from SV. Mais quand t'as moi, je quel fais SV, ma sdari. Ouais, Khoya, c'est en anglais, wesh. Hey police, how are you today? It's a free, hi, Mini, who's he? It's free. Yeah, he's a fucking ramp. He's a fucking bank rob. Hey, calm down, sit down. Sit down. Bienvenue. Sit down. Yes. So this is a fucking bank robbery. We have three hostages for Sidari. So we need some msimmel and halib and fanta.
Don't attack it. Moi faire nettoyage. Production, please, Ben Barak. Can you repeat, please? We have three hostages. We need food. We need drink. And we need a fucking sedary. Yes. Oh my God. Oh my God. Il va vraiment trop vite, ce fils de pute. Monsieur. Yes, of course. Yes, it's me. Excuse me. Yes, yes, yes. I give them the sedary. Yes, thank you, thank you, man. Hack. Oh. Thank you, thank you. Give me one hostage, عفاك. Can you show one hostage, please? Please, respirez, pardon. Okay, please. Can what you the fuck is happening, man? I want to dead because my. man, just wake up, just wake up. Moi faire faire Turquie. Yeah, get the fuck out of here, man. You can't see one guy. Il va mourir jeune, c'est fou. Oh my God. Oh my God. Il va vraiment tuer très vite, like. Il va aller voir Tupac. Thank you for your service. Allez, bon courage. Go down the bank. Like, il a pas pour mourir. Very, very shit, man. You have to laugh for Mokshuia. You have very to laugh for Mokshuia. Tu peux, alors. Oh, true cafe, like, okay. J'ai comme l'impression qu'il parle d'un autre dialecte. You eat Chinese tous les soirs. J'ai l'impression qu'il parle d'un autre dialecte. Nick. Don't break. Get inside the bank! Get inside! Inside! Oh, come on! It's okay, boys! Yeah. Ouais. Croya, je te laisse te concentrate. Oh, frère, qu'est-ce qu'on transforme pas? Ok, 1, 2, 3, je pute. 1, 2, 3, soleil! Est-ce que tu connaissais ça? Tu sais que je jouais jusqu'à l'âge de 23 ans, je crois, ce jeu-là, frère. De quoi? Non, là, tu le mets pas à la monde. 1, 2, 3, soleil. Qu'est-ce que tu leur voiture, là? C'est quoi leur voiture derrière? Je sais pas. Où y a une banalisée derrière Stretcher, je pense. Une banalisée. C'est banalisé. Inch'Allah, j'ai pas de Mr. Freeze. Sinon, on va au Haps. On va où? On va au Haps. On va on va au Haps. Ouh, la vitesse sur leur ami, Roya. Ouais, ça c'est l'enchaînement classique, Roya. C'est pour prendre la distance vite fait, ça c'est banal. C'est les bien virages, tu les fais serrer, les virages, tu les fais serrer, Roya. Comme ça, tu prends masse d'accélération. Ah, ouais, comment ils ont dérapé derrière. Il a dérapé tout seul. C'est son problème, ça, Roya. Courir ma mère, je suis dans l'hôpital. Merde, ça glisse là. Tu penses qu'il a eu les calls? Non, hélico, je crois qu'il est au-dessus de nous. Ouais. Mais ouais, mais est-ce qu'il nous a vu rentrer? Je sais pas. Ils en restent, hein, tu verras. Ouais, loin, on dirait. Non, ils arrivent. Non, l'hélico, il bouge pas. Ah, la banalisée, c'est celle-là. Ok, c'est bon. Hey, vous arrive quoi, radio? Cours, toi, la vie, j'ai du cours, sa mère! Quoi? Ils sont déjà en train de courir! Il y a le négociateur qui arrive, mais Dark Vador! Je comprends rien à la situation! T'as compris quelque chose, Roya? T'as compris quelque chose, Roya? Du magasin de vêtements bijouterie. Oh, en gros, ils sont dans la merde, quoi! T'es là, écoute! Elle est ici, exactement! Mais ouais, mais on peut pas, on a. Ah, si, le coffre! Je suis dans le coffre, je connais pas! Ah ouais, bah bonne chance, frère. Cache-toi, Jas, cache-toi. Ah bah oui, bah cache-toi pas, alors. Tiens, comment tu parles, cette menotte? C'est vrai, ça. T'actives ça avec tes grosses fesses. Ah ouais, un fiasco. Hamid. Ok, alors lui ils sont. Ok. Bon, moi je me suis fait choper. Ça a été croyant. Merci beaucoup, c'est le mec qu'on a en blessant, c'est des jeggings. Qui conduisait?
Pierre et Hamid. Ça s'est rapide, hein. Ouais, il a fait un tonneau, c'est pas je pense. Allez, heureusement qu'il a pas fait exprès de faire un tonneau. Mais oh non, il pleut! J'ai... Ah bah ça, c'est bien pour nous, ça, au contraire. Pas sûr, hein. L'hélicoptère, regarde. Pfff, oh, hélicoptère, pluie ou pas pluie, c'est pas du brouillard, hein. Je sais pas ce qu'il vaut le 4x4 derrière. Mais attends, mais pourquoi je galère, moi? En vérité, c'est un 4x4, frère, je sais très bien. Regarde, tu passes au milieu, hop, t'en parles plus. Sache ouais, qu'on a un autre endroit comme le tien, là. Je sais pas s'il passe, j'ai jamais essayé qu'un 4x4 derrière. Continue. Non, fais pas là. Tu penses que tu vas faire comme d'hab? Derrière la flic, hein. Vas-y. Je pense que ça passe, hein? Non. Non, mais c'est une voiture qui est devenue devant toi. Elle est 1. Elle est 1 et vu le dérapage qu'il a fait tout à l'heure, je pense pas qu'il est bon. Ouais, mais bon, lui il passe derrière la flicka, donc je m'en fous. Pas besoin de faire la flicka avec lui. Tu vois, c'est bien. Sais que t'es dans la merde, tu tapes un gros coup de frein. Ouais, mais il sait pas conduire derrière, c'est horrible. Hein. Il fait des dérapages tout le temps. Oh, oh comment j'étais alien. Oh mon œil, c'est trop. T'as vu là, il m'a roca. Attends, mais il nous a même pas rattrapé, frère, même avec tout ça. Mais non, il a fait un truc d'ouf derrière. Ah ouais. Copter, écoute, c'est mal. Ouais. Même pas. Ah si si. Si si, il a l'air. Voilà, c'est fini. Hein. C'est fini, c'est fini. Ouais, une fois que t'es là, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, tu peux. C'est même pas. Là, il sait même pas où t'es. Oh, la haine. Ouais, mais frère, j'ai plus rien. Le temps qu'il donne l'école, croyez, la voiture elles sont loin en vérité. Donc il peut donner l'école en vérité, il va rien se passer. Vas-y, toi t'es flic, tu donnes quel col ici? Il remonte vers banque direction nord, à côté pas loin de l'armurerie. Vinewood, et continue, direction ouest. Il redescend au niveau de la banque près de l'hôpital. Il redescend en direction hôpital, il tourne au niveau du coiffeur. Vous l'avez passé à côté, à votre droite, prenez à droite au prochain. Voilà, il est à l'intérieur, tu vois. Tu vois, je te dis, on dirait que je suis policier un peu. T'as vu T'as les pauvres, ils sont fait attraper les autres. Là, ça veut dire qu'on n'a pas d'argent, frère. Flicka, fiabilité. Regarde, ils se sont fait arrêter en 2 secondes. Ah, c'est eux. Ah, c'est eux, la voiture là. Mais en 2 secondes, ils se sont fait arrêter. J'avoue, après ça arrive. Hein. Ça arrive, hein. J'espère qu'il n'y a pas les RCC. Dès qu'ils sont très malins. Celle-là, ils la connaissent bien maintenant. Bon, ils la connaissent, mais est-ce que ça va la contrer? Ah oui. Tu penses? Crois-moi qu'elle a été faite. Elle a beaucoup Putain, été faite. Non, faut que je m'entraîne. Elle a beaucoup été faite quand t'étais. Mais ils arrivent à la passer là? Ils arrivent à la passer maintenant? Ouais. Ok. Je sais pas si leur véhicule. Non, je sais pas. Ah, ok. Ouais, mais les RCC, oui, d'accord. Pas sûr. Je suis sûr que ça passerait. Sérieux? Il a même pas tenté le mec. Ah, oh, il abuse. Des nouveaux flics, je crois, regarde. Et les anciens, ça passait pas, ça. Allah, c'est bordé, regarde. Ouais, je ferai notre dernier moment, regarde. Yep, là. Faut que tu trouves tunnel, Ola Haja. Ouais, il va encore revenir. Oh, qui est mort, Miskin. Regarde, de toute façon, tu l'as re-écrasé, mais allez. Non, je l'esquive au dernier moment. Tu l'as vu que je l'ai écrasé, moi? Non, je rigole, j'ai passé à côté. Ils vont au niveau du cimetière, direction ouest, direction fête foraine au cimetière. Est-ce que t'as un accoutrement de prêtre? T'as un accoutrement de prêtre ou pas? Non, regarde. C'est bon, t'es prêt. Vas-y, c'est bon, ça passe. Costard noir? Ouais, c'est bon, ça passe. Attends, mais faut que je le mette, regarde. Bah tu le mets à l'intérieur, viens. Putain, merde. Ils sont venus trop vite, remonte. Vas-y, c'est bon, vas-y, je suis dans. Remontez. Je sais pas pourquoi, je me suis évanoui, frère, quand je suis sorti. T'es où, là?
Je suis dans le coffre. T'as fait un truc bizarre là, non? Ouais, en fait, je voulais me relever, il est parti dans le coffre. Bah ouais. Ah, il est parti se ravitailler l'hélicoptère, regarde. Ah, c'est bon. Vas-y. Ils ont pas vu. Jure. Ils ont pas vu. Reste ici pour moi. Ah, ils abusent. Attends, je vais aller chercher. Ils ont pas vu. Ils sont sérieux là? Ouais, ils ont pas vu. Oh, quelle chance! Arrêtez-vous! Oh merde, putain! Vite! Le plus chiant, Roya, c'est l'hélicoptère en vrai. Hein. T'as vu comment tu les sèmes en deux-deux quand y'a pas d'hélicoptère? Attends, ça fait longtemps que je peux faire la technique du cinéma aussi. Oh, y'avait une technique au cinéma, wow, frère. Technique de cinéma, c'est quoi? Ah ouais, attends, faut que je m'en souvienne. On passe à l'... Ah oui! Ici. Ouais, je m'en rappelle. Pas les amants! Ah, il est passé! Oui, ah, ouais. Il a du mal, Roya, il a du mal, hein! Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner de ouf. Oh! Il est mort! C'est lui? Oui, c'est lui? Oui. Ah, il y a plus le tut. Attends, repasse à côté de lui! Oh non, il a explosé! C'est ça en fait le risque? Non! Ouais, mais. Oh. Il est là-bas! Ah, vas-y, viens! C'est ça en fait le risque, Roya, si tu connais pas la technique, tu t'exploses! Sérieux? Oh non! Putain! Mais merde! Merde, regarde! Putain, il est en train de cramer! Putain, attends, soulève-le! Bouge pas, on vous dépose à l'hôpital! Enlève ton masque, Roya! Je sais pas, Roya, enlève ton masque! Change-toi! Ah ouais, t'inquiète. Oh le délire! Putain, heureusement qu'on... En fait, on est des acteurs, messieurs. Oh là là. Heureusement qu'on était en train de tourner un film qui était axé sur les mangas. Hein. Sur les braquages, oh non? Oh là là, les braquages manga, t'as compris? Oh là là, on a entendu une grosse explosion. Bon, on vous dépose, monsieur. Surtout, parlez pas, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Voilà, juste parlez pas, on vous ramène. Ah ouais, heureusement, on était là. Putain, vous êtes vraiment tombé sur des bons samaritains. Oh là là, je t'avais dit que c'était compliqué. Hein. Ah ouais, mais. Attends, on vit dans un monde totalement unilatéral, hein, là. C'est n'importe quoi. Roya, hein, équilatéral même. C'est abusé hein, quand même. Hein. Mais comment ils ont fait à ton avis? Je sais pas. Parce qu'il y a pas de bonbonne là-bas. Justement, il y a une bonbonne de gaz. Mais en fait, c'est pas vraiment une bonbonne, c'est une sorte de carré rouge. Tu vois, et quand tu connais pas, bah voilà quoi. Ah bah quand tu te connais pas, tu te retrouves à l'hôpital quoi. Ah putain. Mais que vont faire les gardiens de cette ville s'ils meurent un par un à chacun leur tour? Et surtout qu'en termes de conduite, voilà quoi, c'est vite fait hein. Ah là 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 là. Vite! Heureusement, y'a quelqu'un! Ah, monsieur, l'ambulance! Ils ont explosé dans leur véhicule, tenez! Ils ont explosé! C'est des membres de force de l'ordre du LSPD! Ouais, ils ont explosé! Oh là là! Attendez, mais nous aussi on est médecins, merde! On arrive, on va vous aider! On va vous aider! Salut les collègues! Bonsoir, collègues! Bonsoir! Hamid, je me suis échappé de prison! Hamid! Quoi? Ah oui! Les gars, on est à l'hôpital, on prend notre service. En fait, on a fait exploser des flics. Il a dit quoi, Hamid? Je me suis échappé de prison. Frère, il est dans un délire, lui. Oh là, j'écoute même pas ce qu'il dit. Roya, prends stéthoscope, prends tout ce qu'on a pas le droit de prendre, tu prends. Là, ça coche, Roya, je suis un bicraveur, j'en ai rien à foutre. Tenue de pluie. Vas-y, viens, Roya, viens. Ah ouais, collègues, ils sont où les individus brûlés? Ils sont les individus brûlés. Ah, ils sont là! Mais bande de fous malades! Faut les sauver! Je vais les sauver! Ramène-moi 3 mg de doliprane! Vite! Attends, tiens, on va le soulever avant de le sauver! Ouais, mets-le ici! On a essayé de le prendre en charge comme on pouvait, quoi! Ouais, c'est vraiment. Vous en occupez, messieurs, c'est bon? Oui, on s'en occupe, vous inquiétez. Parfait, merci beaucoup! Ouais, merci à vous! C'est bon! Messieurs, comment allez-vous? Messieurs, ça va? Non, ça va pas là. D'accord, je vais vous enlever déjà vos habits, hein, votre tenue, hein, parce que ça va être compliqué sinon de sculpter. Là, on commence par la casquette. Ça pique, faites attention. Oh, t'inquiète pas, quoi, t'es juste brûlé, c'est pas. T'es brûlé au 8ème degré, mais ça va. Ouais, t'as pas fait la guerre, hein, t'as pas fait l'Afghanistan non plus. Hein. Indochine, hein, c'est bon, comme toi. Vas-y, Roya, mets-toi à poil. Vas-y, à poil, allez. Je peux pas te le dire autrement en vérité. Tout nuit, voilà. La casquette. Parfait, du coup, monsieur, vous avez été brûlé à combien de degré, sergent? 8ème degré. Je ramène de la bien fine. Vas-y. Pour la douleur, s'il vous plaît. Je vais ramener de la bien fine. Donne-lui un calmant. Ouais. Monsieur, je vais vous donner un calmant. Faites. Ah. Encore. Non, mais encore. Je dois
dois t'entendre, je dois t'entendre. Vas-y, continue, ah, continue. Voilà, ça... voilà, voilà. Bon, tiens, j'ai de la biafine, Khoya. T'as de la biafine? T'as de la bétadine? De la bétadine? Bétadine, voilà, bétadine. Mets-moi de la bétadine dans de l'eau, fraîche, s'il te plaît. Hey, je te la mets dans le pchit-pchit, là, je te la mets dans le pchit-pchit. Ah non, non, c'est dans de l'eau, il va la boire. Oui, bah dans l'eau, du pchit-pchit. Ça va bétadiner l'intérieur de son corps. Tiens, Khoya, pchit-pchit avec de l'eau, bon, de la bétadine. Monsieur, voilà. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Comme ça, vous déstressez en même temps. Racontez-nous un peu d'histoire, comme ça, ça vous déstresse. Un récapitulatif. Voilà. J'étais en bagnole. Ouais. Pourquoi vous étiez en bagnole? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais en son patrouille, sûrement. Ouais, d'accord. Ensuite, je sais pas, on a eu dû en avoir un accident. Mais pourquoi vous êtes passé par le studio de cinéma, en fait? Je comprends pas. Quels sont vos derniers souvenirs? Je sais pas. On roulait et d'un coup, comme. Ouais. Vous voyez, quand les fusées décollent. Ouais. Ça fait de la lumière, ça fait pareil. Ah oui, d'où l'explosion. Ok, je comprends. Okay. Mais, l'avantage, c'est que vu que vous êtes foncé, on verra pas les traces de brûlure. Ça, c'est un premier avantage. Comme votre tatouage, on le voit à peine. C'est un délire. Ouais. C'est quoi votre nom, monsieur? Nom et prénom? Votre nom, non. George Newman. George Newman. Votre vrai nom, pas votre nom pour votre vrai nom, s'il vous plaît. Pas pour passer les douanes. Pas le nom pour la douane, on veut le vrai nom, s'il vous plaît. Prestance, Mallette, Cuir, Bienvenue. Trésor. Joyeuse. George Newman. Surprenant. Non, tu lâches pas le nom, ok, vas-y, Newman. Il veut pas lâcher le nom, Il y a ma carte dans mon. Vous faites quoi dans la vie? Genre de police. Oui, et moi je suis acteur, non mais bon, ton vrai métier. Ouais, bon, c'est bon. Ton vrai métier, usurpation d'identité, ça peut aller très très loin, monsieur. S'il vous plaît, vous pouvez me faire un truc là, s'il vous plaît. Parce que... Mais croyez, depuis tout à l'heure, on met de la biafine dans l'usine. On met de la biafine là. C'est froid. Bah viens, je te mets un bandage, viens, je te mets un bandage, viens. T'es sous perfusion là. Ah ben là, fous-moi avec Newman, oui, t'es un fou, Newman, toi, espèce de mytho. Dors bien. On aurait dû voir l'autre, voilà. Au moins lui, il s'en souvient mieux. Il est où l'autre? Appelle les collègues. Vas-y, viens, on va voir l'autre, viens, on va demander. Venez, il est là le deuxième, viens. D'accord, monsieur, restez ici quelques instants, nous revenons vers vous impatiemment sous peu. Et là, alors, tu peux nous expliquer un peu le tampon? Bonsoir, bonsoir. Il s'est fait, il m'a dit qu'il y a eu une explosion et en course de suite. Ouais. J'ai enlevé tous ses vêtements. D'accord. Et je l'ai mis sous morphine pour. Et il était roux quand vous l'avez récupéré ou. C'est un roux d'origine? Oui, oui. Ok. Oui, okay. Oui. Quel est votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Okay, je vais mettre le masque, hein. C'est pas contre vous, monsieur. Allez, non. Dieu qui me parle. Monsieur, c'est Dieu. Quel est votre nom, monsieur? George. Pardon? George. Georges, d'accord, vous faites quoi dans la vie, Georges? Oh, pas Georges, Georges. C'est pour voir s'il communique bien, si tout se passe bien. Je vous laisse faire, pas de problème, collègue. Vous faites quoi dans la vie, Georges? Oui, je travaille dans LSPD. Super. D'accord. Traumatisme crânien avéré, hein. LSPD, mon cul. Hein. Ok, super. Ouais. Et vous faisiez quoi là où on vous a récupéré, monsieur Georges? Je me souviens d'une course poursuite et on est encore dans le studio de cinéma, il y a une explosion et moi j'ai le feu au cul, quoi, ça brûle. Ah bah là, c'est oui. Vous qui conduisiez, c'est vous? Ouais. Ok, là on est dans une nomenclature totalement aberrante, là il a regardé Stranger Things, là. Bah, là du coup, surtout en fait la nomenclature dit que si c'est lui qui conduit, il doit payer pour lui et son collègue, ça c'est... C'est ça, de base. Du coup, docteur Kefta, on va lui faire un combo léosine, biafine, morphine plus. Et on partira sur un protocole 42, pas le 43, le 42 s'il te plaît. 42? Le 42, ouais. Ah, malheureusement, on va devoir faire le 41,5, le 42, on a à court de munitions là. Ah, ok, bon bah, go pour le 41. Et malheureusement, le 41,5, beaucoup plus douloureux. Collègue, il y a son collègue qui est dans la salle de gauche, on lui a proscrit... Vous voulez que j'aille voir? Ouais, on lui a prescrit de la morphine et des calmants pour voir s'il allait bien, mais apparemment la douleur, ça va quoi. Il s'appelle George Newman, son collègue. Oui. Ok, je vais l'amener en chambre. Ouais, il dit qu'il est policier, mais on n'en croit pas un mot. Ouais, ouais, on n'a pas vu la plaque, hein, donc... Ok, bien pris, merci collègue. Ouais, je vous en prie. Donc, protocole 41, ça passe du coup par... venez, monsieur 41,5. C'est quand le protocole 41? Levez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Je vais essayer. On va mettre quelques bandages, déjà, voilà. C'est le seul. Venez, monsieur, venez. Aïe. Alors, déjà, monsieur, on va soigner déjà tout ce qui est blessure superficielle. Donc, type premier degré. Voilà, ça c'est premier degré. Voilà. J'ai vu que vous avez une belle brûlure, hein, quand même, au niveau de votre dos. Malgré la couleur efficace, un petit peu de votre. Bougez pas, monsieur. Ça va peut-être piquer dans le dos.
J'ai sur mes poils au moins. Ça va sûrement piquer, ça va sûrement piquer. Ça va piquer un tout petit peu. Ça va piquer un tout petit peu. Alors du coup, par contre, on est obligé de raser la tête parce qu'il y a des brûlures au niveau du crâne. Ça piquante là. Oui, mais justement. Monsieur, vous prenez pour rang l'homme aux cheveux de feu. Je suis obligé de les raser pour voir effectivement si c'est. Tiens-le. C'est le protocole 41. C'est le protocole 41. Le protocole, moi, je vais le supprimer ce protocole. Moi, je vais remettre mes sangs. Laissez pour votre bien. Voilà. Alors attendez, la moustache, on va la laisser. Voilà, parfait. Non, pas la moustache. Alors, monsieur. Oui, mais monsieur, maintenant vous êtes obligé de retourner, on va faire une radio. Non, attendez, monsieur. J'ai combien de doigts là? J'ai combien de doigts? Combien de doigts? 12. Combien de doigts? Nice, ta mère. Ta grand-mère, nice. Parfait, nickel. En fait, les malades, ils arrivent, ils sont malades. Et en plus. Blah! Et le truc, c'est que, en fait, tu leur produises un service de qualité et ils se plaignent. C'est ça. C'est protocole 41.1.5 KG. Viens, on appelle les collègues, on leur dit de le mettre en chambre. Pour une éventuelle radio. C'est bon, collègue, on lui a mis un calmant, de la morphine et direction la chambre, quoi, c'est bon. Parfait, je vais le remonter en chambre. Le premier que j'ai dit, il faut que j'appelle ses collègues de SPD, mais il lui dit que comme j'ai pas vu de plaque, bah j'allais voir. Mais c'est ça, en fait, voilà, nous aussi, on a pas vu de plaque. Surtout, il nous dit qu'il s'appelle Georges, mais on n'y croit pas trop. Donc je lui dis, on verra après. Oui, on verra après. Parce qu'avec la morphine. Voilà, c'est ça. Faut vraiment qu'ils reconnaissent, quoi. Le stress post-traumatique, ils peuvent très bien dire n'importe quoi. C'est comme si moi, je dis, je suis braqueur. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça n'a aucun sens. C'est bon, je vais chercher une civière pour lui. Ouais, ça va, vas-y, super, parfait, super, parfait, collègue. Super, nickel. Ça va, monsieur? Ouais. Du coup, là, on part sur le protocole 43, direction la chambre. Vous allez vous reposer avec nos collègues, salle de repos. Donc, prenez soin de vous, monsieur, et évitez de raconter des. Ne faites pas de bêtises, s'il vous plaît. Ouais, pas de bêtises. Ouais. Et surtout, c'est vous qui conduisez ce véhicule ou pas? Bah oui, c'est. Oui, c'est moi qui conduis. Ouais, c'est conduire, ne conduisez plus, s'il conduire, vous plaît, parce que c'est horrible. Okay, plus que conduire, ok, c'est noté. Allez, faites attention à vous. Une petite question. Oui. Il avait pas des cheveux, au cas où? Non, c'est une perruque, Non, c'était une perruque. Allez, une perruque. Ça dégage. C'est à cause de ça que ça a explosé. Arrêtez de conduire, hein. Et arrêtez de vivre aussi, ça, ce serait bien aussi. Putain, on est vraiment les meilleurs médecins, quoi. On a vraiment eu chaud, regarde. Les gars, vous êtes où? Radio? En prison? En prison commissariat? Pourquoi nous sommes à Disneyland? Il a dit, on va prendre le bus, c'est tout là. Prison ou prison commissariat? Oh merde! On va aller prendre le bus! Braquer le bus bleu! Ouais! Vas-y! Viens, on prend l'ambulance, on va le braquer! Vas-y! Et, hey, ils avaient pas un jugement, eux? Frère, ils sont morts. Ils sont morts là, en fait! Ouais, ils sont morts, frère, on t'est arrivé. Ils devaient pas se faire attraper! T'es avec qui, Joss? Toi, avec ton bien, et le ha. Et ils ont pas pris le moyen de communication, ça, après. Ils ont pris l'argent ou pas? L'argent, ils vous l'ont pris ou pas? Non, pas encore. Oh, ils ont pris les guns, c'est tout. Vas-y, bah on arrive. Eh, hey, dites que vous avez besoin de soins. Vous avez mal au ventre de ouf. Et nous, on est en ambulancier là. Dites-leur. Tu vas nous dire, t'as pas demandé quand t'étais droit à bien rentrer. Là, mais dis-lui, là, tu viens d'avoir des douleurs maintenant, wesh. Y'a personne encore, wesh. Y'a personne, y'a pas d'assassin. Allez, bah c'est ton beeper. Vas-y, beeper. On arrive. On a des beepers, on a des porte-clés. Okay. Ouais, dis qu'on a appelé et tout. Tu dis, ouais, on a appelé et tout. Bien, on va aller voir en prison, frère, directement. Ouais, t'es passé par où? Mais frère, normal, je suis là. Ouais, je crois que j'ai bu un truc, je suis bourré. Comment ça se fait que t'es bourré, toi? T'es sérieux? Mais qui voilà-je? Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Comment allez-vous? C'est moi, c'est nous. Qui voilà-je? Docteur. Oh, docteur. Oui. Docteur, j'ai mal au cul. Comment ça, t'as mal au cul? J'ai mal au cul, docteur. Ouais, mais on n'a pas les clés. On n'a pas les clés. Merde. On n'a pas les clés. Bah, docteur, j'ai un peu. Attends, je vais appeler un flic. Vas-y. Ils répondent pas. Vas-y, on se casse, d'accord. Bah non, on va. Non, aidez-nous. Il va aller en prison, ça. On va prendre la fédérale, non, par pitié, aidez-nous. Ah, ils sont dans la merde, ils vont aller au HEPS, frère. C'est où, frère? Mets-moi l'adresse. Ah oui, toi, tu l'as pas pris, bah oui. Eh oui. C'est. J'espère que c'est un appel important, frère. Je sais pas. Ah, c'est pour ça qu'on les a pris. C'est pour la police. C'est ils pour. Sont où? Oh, ah, regarde, de l'autre côté, voiture et tout. Je vais en haut. Regarde, je crois, ils sont tout en haut. Il y a un mec qui fait une simulation de suicide. Jure. Ouais. Mais oh, voilà que je le pousse, s'il fait une simulation vas-y, de suicide. Vas-y. Oula. Oh. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oula. Vous avez un bus ou pas? Oula, mais là, il faut un tractopelle là. Bah, et dites-vous qu'il y en a la moitié qui sont transportés. Du vert et du bleu.
Mes couleurs préférées, ça fait du jaune quand tu les mélanges, quoi, non ? Il y a un peu de noir aussi dedans. Il y a un peu de noir, du coup, ça fait une couleur chaude. Les gars, collègues, ramenez un hélicoptère de bandage, ramenez un tank de morphine, et ramenez aussi une pelle, parce que je crois qu'on va les enterrer directement ici, en vrai. Vous voulez pas qu'on fasse un cimetière à la place du parking rouge ? Moi, ça me va. Il porte bien son nom, parking rouge, il y a plus de sang qu'autre chose, mais c'est un truc de fou. Bon, on commence par qui ? Tu lèves la main ! Hop là ! Et ben voilà. Docteur Kefta, let's go ! Ouais, j'ai on a du pas sur la planche, hein. Poussez-vous. Ah, et si j'ai pas une prime à la fin de la journée. Poussez-vous, qui est moi? Pourquoi les médecins mettent des tenues blanches alors que... Là, c'est normal, elle a tout son cas par terre, je comprends. Mais non, oh mon dieu quoi. Allez, lève-toi, toi. Mais non, ta gueule, tu vas pas mourir. Je vais mourir d'une balle dans le bide, putain. Ah, t'as une balle dans le bide. Allez, on se lève. Oh, ça va. On se lève. Là. Ça va, madame? Non, ça va pas, non. Bah, tant pis, hein, qu'est-ce que je te dise. Oh, monsieur au chapeau, il est trop swag. On se lève. Tu soignes que les plus swag. Voilà. Tu soignes que ceux qui sont bien habillés. S'il vous plaît, toutes les personnes qu'on soigne, mettez-vous par terre près de la voiture ou quelque part, le temps qu'on soigne les autres. Allez contre le mur là-bas, contre le mur. Voilà, ou contre le mur, comme le dit le commandant. Avec le chiffre numéro 3, on a partout. Il faut les mettre par couleur en fonction de place, hein. Alors là, on dirait des pogs, regarde, ils sont tous retournés. Problème avec les pogs. J'attends toujours ma commande. Ça va, messieurs? Franchement, tu me réponds pas, je m'en bats les couilles. Vas-y, lève-toi, Roya. Allez, on se lève tout doucement, monsieur Lastéchias. Allez. On y va doucement. La tête, fais attention à la tête. Allez, Roya, c'est pesé, emballé. Allez, c'est bizarre. Allez, parfait. Allez-y, monsieur, suivez mes collègues policiers là-bas, s'il vous plaît. Ah, hop, au hasard, ça va tomber sur qui? Boum, c'est qui? C'est toi. Allez, ça va là-bas, tu te mets en rang avec tes collègues. Putain, mais il s'est passé quoi? C'est un règlement de compte, c'est quoi? Je crois qu'en fait, la police est arrivée, tout le monde était par terre. Ouais, ils étaient tous par terre. Ah ouais, ils étaient tous par terre, ouais. Mais ils étaient tous par terre, ils étaient déjà rangés comme ça ou c'est vous qui avez rangé? Non, c'est nous, on est ça. Mais j'imagine bien que ça part comme ça. Vous avez réuni en fonction de la couleur et tout, c'est bien, franchement. Allez, doucement, quand t'appuies sur le ventre, là, ça fait mal. Voilà. Quoi, t'as pas fait caca? Non, malheureusement, c'est pas ça, c'est qu'il y a une putain de balle, bouffon. Non, c'est la constipation. Appuie bien sur son ventre, elle m'a traité de bouffon, appuie bien. Non, aïe. Ah ouais, mais tu suis... Je crois que j'ai me chier dessus. Ouais, je suis un cow-boy, jure. Ça va quoi, le cow-boy? Ouais. Docteur Kefta. Hey. Roy, il y a un mec qui s'est paumé et c'est un cowboy, qu'est-ce qu'il fait là? Justement, c'est le seul mec que je me demandais ce qu'il foutait ici, Roy. Je sais pas, Roy. Ça reste un mystère, hein. Je vais mettre détective Conan sur le coup. Hey, capitaine, il s'est passé quoi du coup? Bah, je sais pas, une fusillade, j'imagine. Ouais, bah oui, je vois un pack de balles sur le véhicule là, c'est un délire. C'est un gruyère, c'est même pas un 4x4 là. Et encore, je vous dis, il y en a beaucoup qui ont été récupérés par vos collègues, il y en avait un peu plus. Du coup, D'après les éléments de l'enquête, des taches de diamètre d'environ 55 cm, c'est plus une hémorragie ou des femmes enceintes, à mon avis. Hein. Ah, mais est-ce que vous pensez que la conjonction de coordination fait que la femme enceinte a pu avoir une hémorragie pendant qu'elle tirait? 68, vérifiez. C'est une possibilité possible, mais encore une fois, je sais pas du tout en vrai. Hein. Donc, à voir. Techniquement, les familles les ont perdu parce qu'ils sont plus, c'est eux qui payent pour les autres la facture. Non, ils sont plus parce que c'est les seuls qui ont attendu, il y en a beaucoup qui sont partis. Oh les bâtards. Ah les bâtards. Ils sont partis, mais ils ont pris... Ouais, mais c'est quand même des bâtards quand même. C'était un battle royal ou quoi, Royal? Ouais, je crois bien. Ils ont vu Fortnite IRL, ça tourne mal. Ils ont vu le nouveau trailer de Battlefield 6 là, ils se sont dit, allez, on va se la donner. Il faut commencer à enchaîner, les mettre dans les ambulances. Attendez, on l'attend, l'SPD va leur poser des questions, etc. On peut pas les embarquer. Mais non, mais ça, ils font ça. C'est bon, on peut les embarquer, c'est réglé. Ouais, dis-moi. Capitaine, on fait quoi du coup? On vous attend à l'hôpital ou comment ça se passe? Il y a une enquête sur eux ou quoi? Non, c'est bon, on a leurs armes. Ok. Il y en a trop là, ça serait du. Ok, donc là, on part juste sur quelques bandages, opérations et compagnie quoi. Là, on va faire une opération. Allez, on s'en occupe, vous inquiétez pas.
Ouais. On ramène le matos adéquat, on arrive. Le matos, on arrive, t'es sûr. Ramène le matos, on arrive, les collègues, hein. Arman. Mais jamais de la vie je reviens, frère. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont combien? C'est bon. Ils avaient qu'à pas faire les gangs. Eh, on est vraiment les meilleurs médecins, frère. Mais t'as vu comment on est venu vite? Un truc de fou, frère. Qu'est-ce que t'as, Hebs? Est-ce que vous nous entendez? Oh non, c'est. Sort de la police là, on sort par l'arrière. Comment ça vous sortez? Mais dites-leur d'arrêter là, on arrive au niveau de l'ambulance là. Ouais, t'as bien ça? Alors, oui, on est sorti de prison. Ah, vous êtes sorti de prison? Oui, on est sorti finalement. Bon, bah on arrive. Bougez pas, on arrive. Vas-y. Ah, ok. C'est bon? Ah, aïe! On est là, on est. Vas-y, monte, Roya. On est là, mais on. Bah, Roya! Mais Roya, t'es où? Mais je suis là, mais il est où? Je le vois pas. Mais Tobias, t'es où, Roya? Vas-y, Roya, on scope du coup. Il a un chaos. Il est où? Je le vois pas. Oh, il est derrière. Je l'ai écrasé à peu près 10 000 fois. Oh merde. Vas-y, regarde, monte. Vous êtes complètement folle, les, monsieur. Les gars, on va rendre notre service à l'hôpital parce qu'il y a trop de travail, on est trop débordés, frère. Ah, oh, c'est bon, frère, on a un service une demi-heure, on est... Frère, on arrive. Le pire service du mois, frère. 40 blessés au parking rouge. C'est très très grave. Ouais, il y avait des Aztecas, des je sais pas quoi, là. C'est qui contre qui? Le match. Il y avait Aztecas, il y avait BMF et il y avait Families. Mais qui a gagné? Personne n'a gagné, tout le monde KO. Oh, Tobias, oui. On fait comme si on te soignait, comme ça tu rentres avec nous. Ok. Enfin, Zaman, vous travaillez. Prends la civière. Docteur Kefta, la civière, s'il vous plaît, pour la victime derrière. Civière, s'il vous plaît. Docteur Kefta, s'il vous plaît, la civière. S'il vous plaît, civière. Je suis souffrant d'une conjonctivite. Allez-y, monsieur, allez-y. Allez-y, montez sur la civière. Monte. Montez sur la civière, monte. Ah, je souffre d'une conjonctivite. Allez, vous inquiétez pas. Allez, je vous la porte. Je veux votre numéro quand même. Merci beaucoup, monsieur les médecins. Ah, je vous en prie, monsieur, vous inquiétez pas. Il m'a soigné sur la table de billard. Putain, mais Hamid, t'es coupé au cutter, croyez ou quoi? Il a posé un sec, il a fait les contours. Tu sais ce qu'il m'a dit à la fin de quoi faire? Ouais, il dit c'est gratuit. Beau gosse. Beau gosse. Et t'as pas beau gosse. Il t'a vraiment dit beau gosse. Il parlait de lui, je crois. Il m'a dit beau gosse. Beau gosse. Dis carrément, je suis fier de moi. Merci. On dirait qu'il a regardé un tableau dans une galerie d'art pendant 10 minutes. Beau gosse. Il était chaud que c'est lui qui a fait ça. Ah, attends, je vais rendre ma blouse, tout ça. Ah, mais t'as mis, il m'a fait. Comment allez-vous? Oui, ah, ça va. Ça va, là? Ouais, tranquille. Ouais, je vous présente. Salut, Ava. On t'en prête pas, j'espère, ça va. Ah, ça va. Bon, hey, salut, Ava. Je veux bien que tu craques tes pecs contre les miens, hein. Ça va, tranquille, et vous? Ça raconte quoi, Ava? Bah écoute, pas grand chose. Je viens voir des amis à moi, là. Ava, t'as des amis un peu malades? Ava, regarde, Ava, ouais, on va être direct, ouais. Je vais être direct avec toi. J'ai mon pote Tobias, il est en galère de meuf. Mais il est en galère de fou. Est-ce que tu peux sortir avec lui juste une soirée, t'es payé 15 000 dollars, c'est bon ou pas? Bah déjà, mets des chaussures, s'il te plaît. Excuse-moi, après, madame, madame, t'es charmante, tu veux un thé à la menthe? Madame, okay, alors écoute, j'accepte qu'on passe une soirée ensemble, mais je te reloupe, madame, je t'apprends à draguer, ok? Ouais. Si t'étais. Ben alors, voilà, t'es belle ça. Comme une sirène. Tobias, dis-lui, si la beauté était une adresse, tu serais sans abri. Madame, si la beauté était un SDF, tu aurais une adresse. Bah écoute, moi j'allais te dire, au moins tu vois, il y a du potentiel parce que t'as ton style en fait. Ça déjà. A été... T'as ta façon de parler, ton humour. Faut juste mettre des chaussures déjà pour commencer, ça c'est sûr. Ah non, pas de soucis, carrément je mets des palmes. Bah du coup, bah dimanche, vous, il mettra des chaussures dimanche quand vous, après votre rendez-vous. Ouais, carrément je mets des palmes pour vous, madame, sur votre devanture. Ouais, comme ça t'éviteras de ramer, dis-lui. Bah c'est pas grave, on pourra aller comme ça j'éviterai de ramer, madame. Bah là, oui, c'est sûr. Ouais. On ira à la plage si tu mets des. Je mets des smoking, Bah tu vois, ça voilà, y a je viendrai chercher ton cœur à la nage. Comme ça, je me noierai dans tes yeux. J'aimerais chercher ton cœur à la nage, comme ça, je vais me noyer dans tes yeux. Là, c'est vraiment dans la drague. Les étoiles dans tes yeux. Encore, tu connais pas les étoiles. Ah oui, madame, j'irai nager la braise dans tes yeux parce qu'il y a des étoiles. Regarde, t'envines. T'es fraîche comme une bouteille d'eau fraîche. Mais attendez, mais vous savez que votre pote, c'est un madame, t'es fraîche comme une bouteille de cidre. Allez.
Une usine à disquettes, j'ai jamais vu ça. C'est à ce stade là, c'est presque. Tu devrais écrire des Non, mais il est full premier degré en vrai. Il y a rien de calculé. Hein. Oui, si c'est pour ça que. D'accord. Bah, si tu veux savoir pourquoi je te suis. Non. Oh. Je rigolais, madame. Madame, t'es plate comme un zdari. C'est pas très cool par contre. Ça, mais c'est non, pas... Non. Ça, c'est pas super. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est. Tu dois alors t'es grosse comme. Non, pardon. Ava, tu viens d'où? Bah, de Vegas du coup. Pardon, madame. Ouais, j'ai emménagé il y a 3 semaines. Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici? Des galères. J'ai perdu mon père il y a quelques temps. Tu l'as retrouvé? Oh non. Tu l'as retrouvé? Non. Pas vraiment. Il s'appelle comment? T'en peux chercher, peut-être. Non, nous on peut le ramener hein, si on tu veux. On peut chercher si tu veux. Bah écoute, dans ce cas-là, je vous donne une pelle et vous allez creuser sa tombe. Hein. Pourquoi c'est une taupe? Ouais, il est caché sous la terre. C'est une taupe ou bien c'est une dalle ou quoi, wesh? Ouais, je vais. C'est une blague ou quoi? J'ai pas compris. Mais non, mais tranquille, c'est de l'humour avant, rigolez. Ouais, bah, j'adore rire sur la mort de mon père. Toutes mes confidences, je suis désolé. Toutes mes contraceptions, madame. Toutes mes contraceptions. Oui, j'ai pas de problème. Va, écoute, le passé, c'est le passé. Il faut vivre le présent et attendre le futur, comme on dirait un sage. Comme dirait une sage-femme. C'est le passé, comme dirait moi. Et tu fais quoi du coup en vie? T'as trouvé un taf? J'étais au Weasel News, mais mon patron c'était un connard, du coup j'ai chié sur son bureau. Oh, comme Tobias, il fait caca partout. Non, bah, point commun. Je te jure. Alors là, point commun, vraiment. Mais lui, il a vraiment chié, hein. Aussi, c'était vraiment un connard, alors j'ai démissionné. Ah, ça veut dire, vous êtes liés par le caca, parce que vos cacas se sont mélangés maintenant. Ah, c'est pas mal ça, en vrai. Normalement, dans la mafia, ils mélangent le sang, vous mélangez le caca. C'est pas mal comme concept. Et du coup, maintenant, tu fais quoi? Bah, c'est chelou un peu quand même. Bah, on pourra regarder si tu veux dimanche, on pourra faire la trilogie complète. Vas-y, donne ton numéro avant. Human Centipede, mec. Monte, on va les choper, Quoi ton numéro, madame? Tu les connais, les schtroumpfs? Ça va? Oui, je les connais très bien, ces fils de pute. T'as changé de numéro de téléphone ou c'est comment, va? Oui, parce que tu m'harcelais trop, du coup, j'ai préféré. Calage. Elle t'a tapé, j'ai même pas vu le point partir. Mais Hamid, il a une dégaine de familiste de d'Algérie, Roya, change un peu, wesh, c'est quoi ça? T'abuses aussi. Donc toi, maintenant t'harcèles les meufs, toi. T'es devenu comme ça. Je vais vous lire la conversation, voilà, Vas-y. C'est pas vrai. Est-ce que tu skips les news? Bonsoir. Ok, bonsoir, je me présente, Hamid Raven, un très bon ami de Jean. Elle m'a beaucoup parlé de toi et m'a dit qu'on pouvait bien s'entendre. Salut Hamid. Attends. Oh la vieille phrase d'introduction pour gérer. Tiens quand même à dire qu'il m'a déjà dragué une fois devant le 24-7 et une seule fois dans la rue aussi avant quand même. Eh mais Roya, t'as cru que c'était un CV ou quoi? Je viens de la part d'un tel, tu cherches un taf ou quoi? Je cherche une femme. Voilà, c'est trop. Alors je prends toutes les brines. Et ouais, et après, vas-y. Salut Hamid, on se connaît déjà. Je lui dis. Mon nom te dit quelque chose? Je sais pas, mais il y a un gros relou qui s'appelle Hamid qui avait essayé de me charrer dans la rue. Je lui ai fait je ne vois pas vraiment de qui est cette personne. Et j'ai plus jamais répondu, puis elle m'a plus jamais répondu. On dirait que tu n'as eu une histoire au CP, frère, quand on t'interroge, Roya. Ah ouais, c'est grave. Tiens, un motard avec une moto. Je rigole. Ok, attendez, musique triste, s'il vous plaît. Hamid, musique triste. Mais du coup, alors, Hamid et Ava, il y a eu quelque chose ou pas? Non, c'était simplement pour faire connaissance, mais elle a jamais voulu faire connaissance. Oui, enfin, généralement, tu fais connaissance, ça se finit au lit, hein, généralement. Comme ça, parce que non, c'est jamais fini au lit, genre vraiment, c'est parlé une fois par message. Oui, bah parce que t'as pas de lit, c'est tout, mais sinon. C'est vrai, jusque-là, j'y vais. Silence dans la salle, silence. Ah, silence dans la salle, vas-y. Bonsoir, avant. Quand j'étais vie, j'ai eu les coups de foutre. Donc, je voulais savoir si tu voulais s'épouser. Non, il m'a battu, jamais été aussi loin. C'est vrai que t'as grave pris ton temps, vous avez fait connaissance. Et après, prendre son temps, on peut faire mieux un peu quand même. Enfin, un an, tu vois. Devant l'hôpital, c'est bien en vrai. J'ai une question, Avin. Surtout qu'il est un coup de poutre quand même. Ouais. Avin, c'est surtout que je suis négatif au Covid, mais positif à ton charme. Je valide. Je vais réfléchir un peu et je te tiens au courant, ok? Ouais, bah t'as jusqu'à dimanche pour réfléchir du coup. Il a plein de tickets resto, hein. Crois-moi, c'est de bonne affaire. Ah bah ça, tu vas rater une très très bonne affaire. Tu pourras tremper le bide. En plus, il est grave drôle et tout, hein. Il a grave de l'argent en plus. Comme de ma vie, aller avoir un ticket resto. Et il pue l'argent. Arrêtez de me mentir. Je n'ai pas de maison.
Oui, mais t'inquiète, c'est grave. Montre-lui le virement de 40 000 $. Montre. Oui, regarde, regarde son compte bancaire. Regarde son compte bancaire. Chauffe. 40 000 $. 40 000. T'as vu, c'est cool de fou, hein, oui. Tu travailles bien. Ouais. Tu travailles dans quoi du coup, Ava? Oh, écartez vos courses poursuite. Oh non, c'est bon. Ah non, c'est pas pour nous. Positif. Tu travailles dans quoi du coup, Ava là? Bah, plus dans grand chose maintenant, je suis un peu dans la merde quoi. Et ça tombe bien, Tobias, si gère une entreprise de camions, tu sais, vers les docks. C'est pas trop mon style de taf, moi je suis plus dans tout ce qui est social. Mais écoute, c'est un taf alimentaire, tu gagnes bien ta vie de fou, t'es même pas. En fait, tu t'en rends pas compte de l'argent qui te passe sous le nez. Hein. Mais au final, je passe mes journées à remplir des camions et à parler à personne, c'est nul. Mais non, tu fais des livraisons et tu parles à tout le monde. Regarde, hop, un petit billet qui est tombé. Tiens, la police. Comment que ça va ici? Mais c'est naturel. Ouais, ça va, et vous? Naturel. Tiens. Ouais, ça va, ça passe. Pourquoi vous nous faites des clins d'œil avec les gyros? Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous avez un truc à nous dire. Là, vous voulez faire. Dimanche, vous êtes invité au mariage de Ava et Tobias. Oui, à l'église de Paléto. Alors, ouais. Non, oui. Non, pas du tout. Si. C'est à 21h30. Parfait. 21h30. Il y aura tout le monde. Non, c'est vraiment pas vrai du tout, monsieur. Si. Là, elle est encore sous le choc, elle réalise pas, c'est normal. Ouais. Oh là là. Faites tourner l'info, mais en train de faire tourner le vide là, tu fais tourner le vent là. Il m'a attrapé par les cheveux, vous l'avez vu. C'est elle qui a voulu. C'est clairement pas son style hein. Oh là là, t'as pas fait elle t'a. Il est doux comme un agneau hein, Tobias hein. En plus, j'étais même pas consentant, elle m'a forcé hein. Ouais. Ah ouais, Tobias, t'es rapide. Tobias, t'es vraiment. Bonne soirée. Je suis dans la merde. Mais non, viens, mais c'est un jeu d'acteur, Ava, c'est un jeu d'acteur, viens. T'es dans l'amour, moi. Mais on est des acteurs, nous, à la base. Ah, c'est vrai? Mais oui, wesh. On fait de l'humour, on fait du stand-up, on fait du one-man show, on fait tout, nous. Ouais. Et, et des fois, on s'entraîne un petit peu dans les flicas et tout, on travaille notre texte. On a produit un putain de... Genre, lève, bouge pas. It's a fucking bank robbery, man. Tu vois, un truc comme ça. Je t'attendais. Oh, c'est cool, ça. Bah bien sûr que c'est cool. En plus, ça gagne. Il y a un mec qui m'a kidnappé, il m'a dit la même chose. Je crois que vous avez influencé des gens. Jure, bah en fait, je dis la vérité. Lève. Je suis influenceur. Voilà. Je voulais pas le dire, je voulais garder pour moi-même, mais je suis influenceur. T'es youtubeur aussi. Ouais. À mi-temps. Allez, du coup, avant, on se dit. Attention, je te sauve la vie. Je te rattrape, une reprise de volet. Hop là. Du coup, avant, on se dit à dimanche. Yalla, let's go. Salut tout le monde. Salut. Oh, salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien en fait. Y'a rien, vous êtes bizarre. Non, mais c'est, ça veut dire bonjour en Saddam. Oh putain, il vient de sortir, M'skin. Ça va? Il va sortir. Je regarde en ta gueule. Je bâtard. Il vient de sortir fraîchement, M'skin. Il est à son apogée. Il a mis deux fois. Il est sorti fraîchement, M'skin. Déjà, Anas et rafale tout le monde. Oh, elle a sauté. T'es vrai, elle est là, wesh. Oh, j'en peux plus, frère. Mais là, c'est quoi cette équipe de bras cassés, wesh? J'ai eu la crise de la cardiaque, là, putain. Ah ouais, c'est chaud. Rien ne va plus. Franchement, hein, c'était une soirée fructifiante, hein. Ouais. Lucratif. Oui. Lucratif et fructifiante, les deux. Oh, pardon, excusez-moi, Bon, tu pleures des yeux, quoi. Je jure, il pleure. Ça fait quoi, Tobias, d'avoir embrassé une meuf incroyable? Non, ça fait quoi d'avoir embrassé un être humain, croyant? En vrai, c'est gluant. Il me faudrait un zoubal pour fêter ça. Oh, astaghfirullah, je pense. Comment tu vas fêter ça? Oui, on va fêter ça, oui. Tu vas fêter quoi? Le mariage. Ah, tu vas faire l'aïe, tu vas ramener un cheval, tu vas l'égorger. Ah ouais. C'est chaud, hein. Sacrifier un cheval pendant Ouais, faut qu'on organise ça, on réserve la salle et tout, tu vois, tout ça. On va en prison. Du coup, demain, faudrait prévenir le Weather News et tout, hein. On organise une salle et tout. Ouais. C'est plutôt samedi, dimanche. Dimanche, pour dimanche. Ah, oui, dimanche, c'est vrai. Hamid, t'es bourré, croyant?
Non, mais. Tu veux dire, si tu veux, si tu veux mourir, t'en as marre de nous, frère. Après, il va se retourner, il va dire, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, frère. Attends, t'as dit, il va se retourner parce qu'il a retourné la voiture, c'est ça? Tobias, je l'ai vraiment. Pourquoi il s'est retourné? Il s'est passé quoi? Non, il a pris un petit retour comme ça, exactement comme ça là. Ouais. Et il s'est retourné. Ah bah ouais, voilà, donc il y a quelque chose. En mode tortue, tu vois, sur la carapace. Vous savez quoi? Vous savez quoi? J'en ai plus rien à perdre de ma vie, allez, c'est parti. Même ça, il est resté. Bah moi je suis là les gars, on est là hein. Moi je suis resté en haut hein. Attends, là je glougloute, là je glougloute. Roya, même ça il n'y arrive pas. Ouais c'est grave, Hamid va te reposer, prends des vacances Roya.